Bonjour Alain Duhamel. Bonjour. Alors Nicolas Sarkozy sera ce soir l'invité de Des Paroles et des Actes sur France 2. Dimanche, grand meeting à Villepinte. Lundi, il sera sur TF1 dans Paroles de candidat. Il joue gros cette semaine ? Bah pour Nicolas Sarkozy, cette semaine, c'est certainement la semaine la plus importante de l'avant-premier tour. C'est celle pendant laquelle il risque le plus gros. C'est celle pendant laquelle il va étaler, j'allais dire, ses derniers atouts. Et c'est là où il va montrer s'il est capable ou pas d'inverser la courbe pour le premier tour. Il y a eu trois phases depuis qu'il s'est déclaré. Il y a eu une première phase pendant laquelle son entrée en jeu a été assez efficace et d'ailleurs a été assez bien reçue. Il a gagné à ce moment-là 2 ou 3 points. Il y a eu une deuxième phase la semaine dernière qui a été une véritable catastrophe où tout se retournait systématiquement contre lui, probablement parce qu'il était trop hyper réactif à chaque fois et donc qui donnait un sentiment de nervosité. Et puis cette semaine, il va d'abord y avoir ce soir. Est-ce que face à Laurent Fabius, il va pouvoir démontrer son ascendant, son envergure. Ça n'est pas si facile, surtout quand on a à la fois un statut de président et une stratégie de challenger. Dimanche, ça va être à mon avis le moment essentiel pour lui. Il y aura des dizaines de milliers de militants, évidemment enthousiastes. Et là, la question est de savoir s'il va pouvoir recréer ou pas réellement une dynamique et sortir son programme. Son programme, ça ne peut pas être sans mesure, mais 4 ou 5 compréhensible, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à présent. Et puis, il y aura encore lundi à TF1 pour mobiliser son électorat. Alors, on lisait dans Le Parisien hier cette phrase étonnante, si à la fin de la semaine, nous n'avons pas rattrapé un peu notre retard sur François Hollande, c'est mort. Bon, c'est un propos rapporté par le marché anonyme, donc il faut le prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais il y a quelque chose de vrai. Bon, il y a une certitude, François Hollande fait une très bonne campagne. François Hollande est plus favori que jamais. François Hollande a eu une avance considérable et au premier tour et au second tour. François Hollande a une bonne image et François Hollande, en l'occurrence, se montre très habile, je dirais même, s'il faut lui reprocher quelque chose, nettement trop habile dans ses prises de position. Mais pour Nicolas Sarkozy, oui, c'est difficile. Alors, il reste en plus quelques inconnus, du genre de la contradiction chez François Bayrou entre une image qui est excellente et des intentions de voix qui sont médiocres. Bon, on ne sait pas ce que ça peut donner. Alors, Nicolas Sarkozy lance des idées, mais on a l'impression que ça n'imprime pas, qu'il n'a plus la main. Alors, au départ, ça avait imprimé quand il avait fait son discours à Marseille. Et maintenant, c'est vrai que ça n'imprime plus du tout. La question qui se pose, je trouve, c'est de savoir s'il ne se trompe pas de terrain. Terrain et de ton. Vous voulez dire qu'il donne un coup de barre à droite, c'est ça ? Pas seulement ça. Il a choisi de mettre l'accent principal sur l'immigration et sur des problèmes de société. Et moi, je crois que là où il a le plus d'atouts et là où il pourrait avoir des réponses, en tout cas, c'est en ce qui concerne la crise, l'environnement international et les réponses économiques et sociales. Mais d'abord économiques. Or, c'est un terrain sur lequel on ne voit pas quelles sont ses idées neuves. Alors, ce soir, il va débattre sur France, sur TF1, sur France 2, face à Laurent Fabius, c'est ça ? Ça sera un match équilibré ? Laurent Fabius est un adversaire difficile. En duel, il est très expérimenté, il a énormément de sang-froid, il arrive d'abord très préparé, comme tout ce qu'il fait dans sa vie, mais en plus avec 2 ou 3 formules absolument terribles, qui s'est lâché au bon moment. Bon, Nicolas Sarkozy est très bon à la télévision, mais il faudra non seulement qu'il soit très bon, mais il faudra qu'il soit meilleur. Et ça, on ne sait jamais à l'avance si on sera meilleur. Et donc vous regarderez Des Paroles des Actes ce soir sur France 2 ? Ça, je vous le promets. Et on en parlera probablement demain matin. Merci Alain Duhamel.